que effectivement, c'est ce que vous craignez un peu aussi, qu'il n'y a pas de miracle dans le foot et il faut travailler, c'est tout. Les gamins ont travaillé, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que il faut, c'est comme quand vous avez une crise d'épilepsie, il faut trouver le médicament qu'il faut pour stabiliser la crise, et jusqu'au moment où ça va arriver. Donc, mais voilà, moi, il faut s'adapter, il faut pas se plaindre, il faut pas pleurer. J'ai été battu, on a eu un temps qui a été donné pour faire l'équipe, on a accepté le match, maintenant il ne faut pas pleurer s'il y a ce qui se passe ici. Il ne faut pas commencer à trouver des excuses sur ce match. D'abord, la seule chose que moi je trouve que je suis en paix, c'est que c'est un match amical. Donc un match amical, ça peut arriver, tout peut arriver dans un match amical, surtout que vous avez une équipe rwandaise qui, je suis certain, qui a déjà joué longtemps ensemble, qui vient d'une compétition, qui trouve des automatismes, on voit qu'on trouve des automatismes. Mais ce que je trouve intéressant, ce que j'ai vu, c'est que les gamins ont les ressources. Parce que l'UTT, peut-être un détail près, on termine ce match dos à dos. Mais bon, on va accepter les choses comme elles se viennent et on l'accepte sportivement. Parce que je pense qu'il a une très belle équipe. Ils ont joué en jeu en déviation, dans les intervalles et tout. Mais, si vous pourrez retrouver les images, ils n'ont pas été si dangereux que ça. Dans le jeu, oui, ça joue très bien en déviation et tout. Mais au niveau de ce qu'on a eu, ce sont deux phases arrêtées. Ce n'est pas des frappes de but, c'est deux phases arrêtées et une mauvaise estimation du gardien. C'est ça qui a fait défaut chez nous. Si vous allez voir les mails, vous allez voir les images. Deux phases arrêtées, ça ne peut pas être tolérable. Ça ne peut pas être tolérable avec des gardiens comme on a et tout, avec les trajectoires et les entraînements qu'ils ont, ce n'est pas tolérable. Deux phases arrêtées, deux dedans. Donc voilà, donc c'est dans le jeu, il n'y a pas eu de problème en tout cas, à part qu'on n'a pas apporté assez de vitesse, sauf les dernières minutes. Et là, on a compris qui est qui va jouer où et comment ça va se passer. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. Moi, je dis que c'est un mal pour un bien parce que c'est une baffe que les gamins ont eue parce qu'ils étaient un peu trop... je viens d'un grand club, j'ai joué, je suis là. On sentait un peu qu'il y avait un peu de suffisance. Et ramasser des baffes chez nous à la maison avec qui vous savez. Et comme ça, je pense que c'est un mal pour un bien. Et avec ça, je pense qu'ils seront prochainement bien préparés mentalement et aussi... on va savoir que les détails sont quelque chose. Bon, il y a des joueurs qui vont 2 mètres. C'est clair que... Une question, coach Vincent. C'est tout. Il ne sait pas des combinaisons. C'est une estimation. Bon, un long ballon, estimation, tu sors pas. Ce sont des erreurs. Mais aujourd'hui, c'est sur phase arrêtée. Mais dans le jeu, quand il fallait récupérer un ballon, le positionnement, on les avait. Puisqu'à un moment donné, ils sortaient difficilement. Donc, ce côté-là, c'était acquis. Maintenant, ce qu'il faut apporter dans ce système, c'est de la vitesse. Et ça, on n'a pas. Pour le moment. On a eu ça que les 10 dernières minutes, de la vitesse. Alors on s'est dit, ok, c'est bon. Donc on sait qui donne de la vitesse, qui donne de l'ampleur. Quand vous avez le 8 qui casse ça, c'est exactement ce qu'on a demandé de faire. Mais c'était un choix. On pouvait mettre un autre, on pouvait mettre, Glody, on dit, tiens, on va mettre Glody. Et c'est un choix qu'on a fait, bon, au pif, comme ça, on l'a fait. Et, parce que c'était un match amical. Mais un match amical sérieux. Parce que si tu fais un match amical contre le FC Bandal ou bien un truc, tu n'as rien, tu n'as pas. Là, c'était un match amical avec une équipe compétitive et qui en plus, il y a une petite rivalité. Donc, ça veut dire qu'il y a tout dedans pour vraiment faire la mini compétition amicale, quoi, c'est tout. Voilà. Moi, je pense que vous êtes déçu. Si vous êtes tout à fait d'accord avec vous, parce qu'au Congo, on peut pas. Bon, il était interdit d'être battu, surtout chez soi, mais ça se passe comme ça. Beaucoup. On savait ça depuis le début que le Congo est supérieur, c'est une bonne équipe. On a venu ici pour pas nécessairement de gagner, mais se préparer pour la prochaine match de qualification de CHAN. Mais gagner, c'est autre chose, mais on regarde qui va suivre à la prochaine match. C'est bon quand on a gagné, mais je pense qu'on a beaucoup à travailler, mais ici il y a encore du travail parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. Hein. En tout cas, on a joué avec une équipe qui est très bien organisée, avec beaucoup de qualités individuelles. Je pense que c'était salive, de temps en temps salive au football. Il y a des occasions, tu peux avoir 2 ou 3 occasions, tu marques des débits et l'autre équipe. Avoir même 10 occasions, il ne marque pas. Je pense que même aujourd'hui, on en avait cette facture de chance, je peux dire.